Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, mes sœurs et mes frères, debout pour l'entrée du Collège des officiers. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, mes sœurs et mes frères, l'entrée du Vénérable Maître de la respectable loge Les Philalettes, accompagné du passé grand maître Alain Noël Dubard, de l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, Georges Comard, du très respectable grand orateur de la Grande Loge de France, Pierre-Marie Adam, du très respectable frère conseiller fédéral et trésorier adjoint de la Grande Loge de France, Thierry Sarrazin, et du très respectable frère conseiller fédéral, Pascal Battiston. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, mes sœurs et mes frères, je vous prie de vous lever pour l'entrée de notre conférencier, le rabbin Raphaël Sada. Debout. Maître des cérémonies, donnez-lui l'entrée du temple. Thank you.
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, mes sœurs et mes frères, je remercie chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation. Je salue en premier lieu ce que nous nommons dans le langage maçonnique les profanes, c'est-à-dire en l'occurrence nos amis, nos parents, nos épouses, nos enfants. Nos règles nous interdisent de partager avec vous nos travaux ordinaires, mais nullement ceci qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Et j'affirme au nom de tous les frères de la respectable loge des Philalèthes notre joie de vous voir ici, pour partager ensemble ce soir cette réflexion philosophique et spirituelle. Ainsi, pour ce soir, nous nous appellerons dorénavant frères et sœurs, sans aucune autre distinction. Car tous, sans distinction, nous poursuivons en réalité un même but, améliorer la condition humaine dans toutes ses dimensions, spirituelles, intellectuelles, morales et matérielles. En prenant appui sur la vérité et sur la justice, en pratiquant la tolérance et le respect d'autrui. En tant que franc-maçon, nous n'avons pas la prétention de posséder la vérité. Nous prétendons seulement la rechercher sans cesse. À l'écart de tout dogme, nous échangeons des idées pour que chacun puisse former par lui-même son propre jugement. Je salue les frères de la Grande Loge de France, ainsi que les sœurs et les frères de toutes les autres obédiences qui ont répondu à notre invitation et qui ont amené avec eux des profanes. Soyez ce midi chez vous. Je salue nos frères Alain Noël Dubard et Georges Comard, respectivement passés grands maîtres et anciens grands maîtres de la Grande Loge de France. Je salue notre frère Pierre-Marie Adam, grand orateur de la Grande Loge de France. Au-delà du plaisir toujours renouvelé que nous éprouvons à travailler ensemble sur ces colonnes, nous interprétons aujourd'hui votre présence comme le signe de l'attention la plus fraternelle que notre obédience porte à chacune des loges qui la composent. Je salue notre frère Thierry Sarrazin, conseiller fédéral, trésorier adjoint de la Grande Loge de France et inspecteur de notre atelier. Je salue notre frère Pascal Patiston, conseiller fédéral de la Grande Loge de France, et assistant du grand maître de la Grande Loge de France pour la région de Nord. Soyez remerciés, mes frères, de l'aide précieuse que vous nous avez apportée dans l'organisation de cette manifestation. Je salue enfin notre conférencier, Raphaël Sadin, et je le remercie d'avoir accepté cet exercice peut-être insolite, d'évoquer parmi nous, dans un lieu maçonnique, sa réflexion autour de ce thème. Pourquoi l'autre ? Sans doute, cher Raphaël Sadin, vous dois-je quelques explications. Il y a déjà plusieurs années, nous avons écouté ici même le rabbin Josie Eisenberg. Il évoqua le Dieu de la Bible. Puis nous avons reçu Annick de Souzenel, qui nous fit partager sa réflexion quant au chemin initiatique de Vézelay, autant dire la quête essentielle. Enfin, nous avons accueilli Marc-Alain Wachny pour l'écouter sur cette formidable question « Pourquoi Dieu ?». C'est ainsi qu'en préparant cette nouvelle conférence, la compagne d'un de nos frères qui se reconnaîtra a émis cette hypothèse, après avoir envisagé « Pourquoi Dieu ? N'est-il pas tout naturel d'en arriver à « Pourquoi l'homme ?». Bien d'autres thèmes de réflexion auraient-ils à faire, si j'ose dire, parmi tous ceux que vous abordez, Raphaël Sadin, dans votre enseignement, vos cours, vos entretiens si riches et si divers, j'en cite quelques-uns. La loi comme l'émanation essentielle de l'humain en l'homme. Que pense la Torah de la beauté? Comment tromper le destin? Ou encore, la vérité n'est pas au ciel, mais dans votre cœur. Ou celui-ci, particulièrement stimulant, que vous avez récemment traité, un ami nommé Désir. Mais vous en rappelez, cher Raphaël Sadin, dès que cet énoncé a surgi dans nos échanges, pourquoi l'homme ? Il évinça aussitôt toute autre hypothèse sans plus d'atermoiement. De fait, quand un
à l'énoncé s'impose de lui-même à des interlocuteurs avec autant d'évidence, c'est qu'il soulève en chacun une foule de réflexions. Or, c'est une grande force pour un groupe d'hommes, quel qu'il soit, que de s'accorder sur une telle question, une authentique question, c'est-à-dire une de ces questions qui n'appellent pas de réponse, ni univoque, ni rapide, ni définitive, de sorte qu'elle couve longtemps en l'intimité de chacun, comme on couve un feu intérieur, en même temps qu'elle réunit, qu'elle rassemble ses hommes, comme autour d'un foyer ou autour d'un repas. Rassembler ceux qui n'étaient pas. C'est à vrai dire notre seule ambition aujourd'hui. De fait, nous voilà rassemblés. À cet instant, je ne peux m'empêcher de penser que nous vivons peut-être une époque extraordinaire. Il n'y a pas si longtemps, à quelques dizaines d'années d'ici, je crois qu'il aurait été beaucoup plus compliqué de débattre d'une telle question dans un espace public, surtout entre gens de confessions aussi diverses que les nôtres, dans un esprit réel et d'autre part, sont-ils assez protégés? Sommes-nous bien assurés de leur solidité? Frères et mes sœurs, je vous invite à présent à faire un effort d'imagination pour faire retour au sixième jour de la création, à l'aube du monde. Elohim a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il a isolé la terre. Il a créé les grands luminaires. La vie foisonne dans la mer, elle peuple le ciel et elle s'éparpille sur toute la surface de la terre. Mais en ce sixième jour crucial entre tous, Elohim crée l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le crée. Hommes et femmes, il les crée. Ces Elohim, dont il faut se rappeler que c'est une forme plurielle, se sont-ils alors interrogés, pourquoi l'homme? Pourquoi les hommes? Cher Raphaël Satin, vous avez la parole. Bonsoir. Écoutez, je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je suis dans une assemblée organisée par les francs-maçons et j'ai déjà été rassuré dans la mesure où je pensais que ce n'était que les juifs qui avaient des sortes de rites si bizarres. Je vois que nous ne sommes pas seuls sur la terre et c'est déjà un point commun. Je reprends et je rebondis sur votre intention. Elohim, que vous dire, n'est pas, bien que ce soit une grammaire plurielle, désigne Dieu unique. Et ce Dieu unique, si certains de ces noms ont une connotation effectivement pluraliste, c'est parce qu'une des manifestations de Dieu est aussi à travers la nature et à travers le nombre, le pluriel. Mais l'essence divine, surtout dans le judaïsme, est une et indivisible. Mais c'est intéressant que vous avez posé cette question. Est-ce que Elohim a posé cette question, pourquoi l'homme? Et c'est d'autant plus intéressant et extraordinaire que c'est le premier texte que je voulais vous lire, qui est un midrash. Vous savez que le judaïsme est composé, le corpus judaïque de la Bible, universellement connue, qui est la Torah écrite, mais il existe, comme disait Lévinas, le judaïsme n'est pas la Bible. Le judaïsme est la Bible lue par les initiés judaïques, c'est-à-dire la Torah orale, interprétée par la Torah orale. Et dans la Torah orale, vous avez quatre niveaux d'interprétation. Le premier, au sens, on va dire, pshat, qui est le plus simple, mais qui met à peu près 20 ans d'initiation pour y arriver. Le deuxième est le remez, qui est l'excès. Le troisième est le midrash, qui est l'allégorie, on pourrait dire. Et le quatrième, c'est le sod, le secret, qui donne l'anagramme de Pardès. Pardès, qui veut dire l'origine paradivien, pshat, remesh, dras, sod. Et donc, là, j'ai convoqué un midrash, que je vais vous lire d'abord en hébreu, que je vais après traduire. Amar Rabbi Simon, Rav Simon a dit, Bécha'a sheba kadosh baruch hu livrot et ta'adam,
quand Dieu est venu à créer l'homme. Et Nasu Kitim Kitim Shalmalachim. Il avait déjà des anges autour de lui. Il a commencé à poser la question aux anges. Est-ce qu'il faut créer l'homme ou pas? Donc il y a une interrogation à l'origine même de la création humaine. Est-ce qu'il faut créer l'homme ou pas? Certains ont dit Ibaré. Certains ont dit Alibaré. Certains ont dit crée l'homme. Et certains ont dit ne crée pas l'homme. L'ange de la vérité a dit surtout ne crée pas l'homme parce qu'il est totalement mensonge. L'ange de l'amour a dit crée l'homme parce qu'il est capable d'amour. L'ange de la paix a dit surtout ne crée pas l'homme. Il est kuloktata, l'homme est belliqueux par essence. L'ange de la tzedaka, ça veut dire de la miséricorde, de l'entraide, a dit crée l'homme car il est capable de miséricorde et d'aide, de fraternité. Un texte tout à fait bizarre. Et le texte continue, il nous dit qu'au milieu de la discussion, en plein milieu de la discussion, Dieu a dit, mais pourquoi discutez-vous? Les anges répondent à Dieu, nous discutons parce que tu nous as posé une question. Est-ce qu'il faut créer l'homme ou pas? Et Dieu dit, mais j'ai déjà créé l'homme. Comme il est écrit, d'ailleurs, signifié dans le texte biblique, « Na'asé Adam et Salmen » Faisons. « Na'asé » peut être lu en hébreu comme un futur ou comme un passé. « Na'asé » le Midrash dit, « Na'asé Gvar » il a déjà été créé. Tout à fait étrange. Dieu convoque des anges, se demande est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas. Discussion sauvage, une sorte de fracas céleste où certains disent Ibaré, crée. C'est un âme Ibaré, ne crée surtout pas l'homme. Déjà, ces fracas dans les chivotes talmudiques où chacun dit son contraire, la dialectique juive, déjà à l'époque, même il n'y avait pas encore de juifs, où le monde était en paix, où il n'y avait que des anges. Et ce fracas céleste, au milieu de ce fracas céleste, Dieu dit j'ai déjà créé. Et bien entendu, aux commentateurs de s'interroger, c'est comme si je vous disais, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une maison ou pas? Oui, non, mes amis me disent oui, mes amis me disent oui, au bout de la discussion, je dis, j'ai déjà acheté la maison. Tout le monde devrait me répondre en me disant, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas me demander mon avis. Quel est le sens de ce questionnement qui n'attend pas la réponse? Et les commentateurs disent la chose suivante. Ils disent, parce que cette question, pour celui qui a les oreilles, dure jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? Cette discussion, Ibaré, Alibaré, crée-le, ne le crée pas, est encore à une oreille prophétique, palpable, dans les cieux. Comme si on voulait nous apprendre déjà pour d'emblée que quand on pose la question « Pourquoi l'homme ?», ce « Pourquoi l'homme ?» serait non seulement une question, mais serait peut-être la forme la plus profonde de l'identité humaine. L'homme serait un pourquoi l'homme. L'homme serait essentiellement dans son essence, l'homme ne serait pas l'animal doué de langage, comme Aristote vient de le dire, dit comme certains anthropologues le disent, qui enterre ses morts. L'homme serait l'homme parce qu'il reste éternellement un questionnement, une question dans son essence même, dans le fait qu'il ne soit pas sûr qu'il faille ou qu'il ne faille pas créer l'homme, et que ce questionnement se perpétue jusqu'à la fin des temps, depuis l'origine du monde et jusqu'à la fin du monde. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi? En quoi il est si important de laisser cette ouverture questionnante par rapport à la nature humaine? La réponse que les commentateurs disent, c'est le premier axe de réflexion qui me paraît fondamental, c'est parce que si on avait décidé, selon la tradition talmudique, que ça valait le coup de créer, si le débat entre les anges et Dieu avait abouti sur une décision de ne pas créer l'homme, il n'y aurait pas eu toute l'aventure humaine et on serait resté là. Si la décision avait été de créer l'homme, oui, ça
avons le coup de créer l'homme. Alors, ça n'aurait pas été un homme. Parce que quelqu'un d'autre, à part l'homme justement, aurait décidé à sa place que ça valait le coup d'exister. Or, quand les commentateurs nous disent que cette question dure jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si ce flambeau du questionnement, comme si cette intensité de l'interrogation du « est-ce que ça vaut le coup ou pas créer l'homme ?» Dieu s'en est décidé. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'avoir créé l'homme ? Ça va être l'homme lui-même. Et c'est parce que c'est l'homme lui-même qui en décide par son comportement à chaque instant que la liberté est envisageable. Parce que si on avait décidé pour l'homme que ça vaut le coup de l'avoir créé, un élément extérieur à l'homme aurait décidé de façon définitive qu'il faut, oui, créer l'homme, et que sa vocation à être est ontologiquement et spirituellement nécessaire, cette nécessité extérieure à l'humain aurait rendu l'homme, réduit l'homme au niveau des choses, des animaux et des anges, ou quelqu'un d'autre, autre que lui-même, aurait décidé de la nécessité de son être. Or, la liberté est envisageable et possible que parce qu'on te dit, du haut, voilà, tu es un être indécis, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être que ça vaut le coup d'être créé, peut-être pas. Peut-être fallait-il créer l'homme, quand on voit des choses admirables, la capacité de donner, la capacité, on dit bien sûr, quand on voit des productions artistiques, quand on voit des hommes magnifiques, des femmes magnifiques, qui ont des gestes incroyables, on dit bien sûr. Quand on voit la Shoah, l'acquisition, ce qui se passe dans le monde, le massacre des enfants, les guerres perpétuelles, cette haine incroyable, propre à l'humain, les différences ethniques qui créent des génocides, des viols collectifs, on dit bien. Hannibal, vous ne pas créer l'homme. Et donc, ce qui va, à chaque instant, cette idée d'indécision ontologiquement marquée dans l'essence de l'homme, et non seulement le garant de la liberté, mais va nous indiquer une façon d'exister. C'est-à-dire que, à chaque instant, quelqu'un est capable de faire un geste qui dépasse l'égotisme, l'égoïsme. Les anges en haut disent, voilà, vous avez bien dit, quelqu'un est capable de donner ce qu'il aurait bien voulu garder. Quelqu'un est capable de... Vous savez qu'il y a une époque talmudique, il y a beaucoup d'histoires dans le Talmud. Une fois, un très grand rabbe rencontre Eliyahu Hanavi, personnage biblique, mais qu'on rencontre à la tradition juive, puisqu'il est monté au ciel vivant, et bien il revient du ciel. Très souvent, des grands initiés rencontrent Eliyahu, le prophète. Et un grand rabbin rencontre Eliyahu, le prophète, et lui dit, dans un marché où il y avait beaucoup de monde, il lui dit, mais qui ici a droit au monde futur? Et il désigne deux clowns. Deux clowns. Et il n'en revient pas. Deux clowns. Le rabbin va voir ces deux clowns, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous... Qui êtes-vous? Et il répond, nous on est des clowns. Mais comment ça se fait que... c'est quoi votre vie? Il dit, nous on aime faire plaisir aux gens. On aime donner du bonheur aux gens. Et là, le rabbe sourit et comprend que c'est pour ça qu'ils ont un monde futur. La capacité de s'arracher à une nature fermée, crispée, sur l'identité crispée sur elle-même, sur l'égotisme, l'égoïsme, le fait de pouvoir se dépasser, de casser avec le cycle de la nature, justifie à cet instant l'extraordinaire, la merveille de la création de l'homme. Quand quelqu'un fait une bonne action en haut, du ciel, un ange crie, je vous avais bien dit que ça valait le coup de créer l'homme, on n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à sa copine. L'homme est capable de donner sa côtelette à quelqu'un qui a faim, même si lui a faim, c'est extraordinaire. Et d'un autre côté, quand quelqu'un dit la médisance, la baisse, à la mesquinerie, à la jalousie, à la bêtise, alors, les anges, vous avez dit, on n'a jamais vu une baleine médire de sa copine. Et donc, à chaque instant, nous avons ici un homme, une femme, un enfant, un vieillard, qui
qui a la possibilité à lui seul, par un acte paraît anodin, d'infirmer ou de justifier la création tout entière. Et donc ce pourquoi-là, je propose ici une nouvelle définition même de l'humanité. Qu'est-ce qu'un humain ? Celui qui a la conscience de cette question, qui vit, pas une conscience simplement intellectuelle et philosophique, mais qui vit une existence où il se rend compte, où il a une initiation intellectuelle et spirituelle suffisamment élevée pour se rendre compte que sa vie représente l'enjeu peut-être le plus cardinal du pourquoi le cosmos, pas simplement pourquoi l'homme, puisque le monde a été créé aussi pour l'homme. Et qu'à chaque instant, l'homme peut justifier ou affirmer le fait de la création de l'humain lui-même. Cette liberté extraordinaire, c'est ce qui est donné à l'homme. Et c'est ce qui fait l'identité même du pourquoi l'homme fait le l'homme lui-même. Et plus profondément, vous savez que le Talmud pose des questions, des fois vertigineuses, et continue sa réflexion sur ce dualisme, cette dualité dans l'homme, ce ibaré à ibaré que Dieu ne le crée pas. Et le Talmud a une phrase énigmatique. Il dit, c'est parce que l'homme a été créé de cette façon, de cette manière, qu'il est capable de deux choses, l'une négative et l'une positive. L'une positive, c'est la capacité même de s'interroger, de penser, de questionner. L'autre négative, c'est une capacité de douter. Cette dualité dans l'homme, ibaré à ibaré, crée-le, ne le crée pas, serait une autre façon de dire que l'homme est créé d'être et de néant, de lumière et de ténèbres. Il y a une partie en lui, et surtout que cette dualité lui permet d'échapper à une structure qui serait monale, unique, fermée sur elle-même. Cette fissure dans l'identité, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup, va produire chez l'homme la possibilité même ou du questionnement, ou du doute. Le doute étant une sorte de retournement dialectique négatif de cette essence humaine. L'homme disant que de toute façon, puisqu'on ne sait jamais, peut-être bien que lui, peut-être bien que non. Donc l'homme ne s'engagera jamais, parce qu'il profitera de cette essence humaine duelle pour douter de tout et donc pour ne faire rien, ne rien véritablement réaliser. L'autre utilisation de cette dualité dans l'homme sera la capacité du questionnement. Vous savez qu'Adam, ma, l'intelligence en hébreu qui s'appelle Chochma, est l'anagramme de Koharma, une capacité de questionner. Justement parce que l'homme étant indéfini, l'homme étant indécis, l'homme n'étant pas circonscrit de façon absolue, cette dualité à l'origine même de l'essence humaine va permettre à l'homme de s'interroger, de toujours explorer des horizons nouveaux, de ne pas être enfermé dans l'organigramme de sa création. Pourquoi l'homme intègre dans l'homme lui-même une possibilité infinie de se redéfinir ? On pourrait dire pourquoi l'homme, mais l'homme est aussi celui qui ne se définit plus. Adam, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres en hébreu que Méod, qui veut dire excès, plus, beaucoup. Comme si la définition même de l'homme était cette capacité d'un dépassement perpétuel de sa propre nature. Et donc quand on a posé la question pourquoi l'homme, quelque part on se trompe, parce que l'homme est quelque chose qui peut-être n'est pas définissable en essence, puisque sa définition la plus profonde est cette capacité de dépassement perpétuel, de redéfinition perpétuelle, non seulement de son essence, de son projet, de sa capacité, de ce qu'il est, de ce qu'il peut devenir. Et donc dans cette faille essentielle dans l'humanité, va se trouver non seulement la liberté, mais aussi quelque chose presque de tragique. Et je vous lirai le deuxième passage.
de l'époque talmudique, une des plus anciennes. Et Bet Shammai, Tishanim Vachetzi, 2 ans et demi, Nichleku, il y a eu une discussion dans l'académie talmudique. On parle ici de 3 siècles avant l'ère vulgaire, à peu près. Nichleku, Bet Shammai, Bet Hillel. On discutait les 2 académies, celle de Hillel, à Zaken, et celle de Shammai. Est-ce que Noach lo le Adam shalom ivra, yoter mi shenivra? Et Hillel, Amrou, Noach lo le Adam shenivra, yoter mi shalom ivra. Est-ce que ça valait le coup de crayon? Est-ce que Noach lo, pour être exact et précis dans la traduction, il faudrait dire, est-ce qu'il est plaisant pour l'homme d'avoir été créé? Est-ce que c'est bien que l'homme ait été créé? Est-ce qu'il valait mieux que l'homme ne soit pas créé? Et Beth Shammai dit, il aurait mieux fallu ne pas être créé. Pour nous. Et Beth Shammai dit, non, non. C'est une bonne chose pour l'homme d'avoir été créé. Et les textes disent, qu'est-ce que c'est que cette discussion? On est créé une fois, et puis c'est tout. Alors, il y en a certains vont dire, d'un point de vue statistique, la plupart des hommes ratent leur vie. La plupart des humains ratent leur vie. Donc si on fait un calcul général et qu'on prend 6 milliards d'humains sur la planète, il y a une minorité qui fait quelque chose de son existence. La plupart sont instrumentalisés par le rythme du travail, l'endoctrinement de masse, qui n'est pas que communiste, hein, l'endoctrinement de masse capitaliste aussi, par les médias, par les gens, de tout ce que tout le monde connaît. L'homme ne vit pas, n'existe pas. Donc il valait mieux qu'il ne soit pas créé. Mais le Hel Yaakov lui dit non, non, non. C'est que, dans la même lignée de ce qu'on a dit avant, c'est que il n'y a pas de chèque en blanc. L'homme, s'il vit une vie, ce que je vous donne bien sûr le point de vue judaïque, parce que je suis invité pour ça, je crois, chacun après. Et je vous donne le point de vue judaïque qui peut être adressé à tous les hommes. Parce qu'il n'y a pas que chez les francs-maçons qu'il y a des procédures où on ne révèle pas aux autres. Je vois qu'il y a beaucoup de points communs avec les juifs. Enfin, je pense que les juifs diraient qu'on voulait encore voler ces histoires. Bon. Bien entendu, dans la tradition judaïque, on ne peut véhiculer certaines idées qu'aux initiés. Et même pas aux initiés francs-maçons, donc aux initiés qui étudient le Talmud. Donc je ferai ici juste, je vous dis, ici j'essaie de produire une parole judaïque qui serait audible, mais ça m'arrive très rarement la plupart du temps. Je donne des cours avec des personnes étudiant la Torah. Mais c'est un exercice pas facile d'essayer de ne pas trahir l'idée thoraïque sans avoir le droit de révéler ces choses qui sont ouvertes à tous dans la mesure où les personnes font la démarche initiatique de venir au judaïsme, etc. Mais, et donc, je vous donne ici un niveau qui est un niveau universel de la parole talmudique. Et ce qui est dit ici, c'est qu'il y a un côté, vous savez, on pourrait presque diviser toute la littérature et presque toute la culture européenne, en tous les cas occidentale, en deux. Il y a une tradition tragique et une tradition romantique. Tragique, qui voit que la fin de l'homme, on dirait que Beth Hillel serait cette tradition tragique, si vous voulez, pour que l'homme ne soit pas créé, ça finit toujours mal. Et c'est le romantique qui a encore de l'espoir, et comme d'habitude le judaïsme, unit les contraires, et dit non, c'est en même temps tragique, parce qu'effectivement, comme ce bonheur, cet espoir n'est pas donné, il n'est pas donné, il est le fait d'une élection, la fameuse élection. Peuple élu, c'est pas du tout comme les gens, comme on a pu croire, une sorte d'orgueil nationaliste qui est à l'opposé de la pensée judaïque. L'élection vécue comme une responsabilité, comme une injonction à devenir plus grand, à être. Mais l'homme, s'il épouse le cours naturel de son existence, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Parce que, par rapport à ce qu'on a dit avant, la façon dont il a été créé comme une question, il n'y a pas d'auto-justification de la nature.
lui-même dans sa condition humaine. Elle est presque inutile. Et elle ne peut advenir que par une sorte de saut ontologique, par un dépassement, qui fait ce qu'on appelle le juste, qui à lui seul justifie de toute la création. Et donc, le Rambam, et le Talmud avant lui, dit qu'un homme se doit de voir à chaque instant le monde moitié méritant, moitié coupable, de se voir soi-même comme moitié méritant et moitié coupable. Et par conséquent, de voir chaque action que je fais comme une action qui peut détruire l'univers ou construire l'univers. Très très loin de l'idée du salut, l'idée de avec l'égoïste, de sauver son âme. Non, non. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de donner du poids à la pensée, à la parole et à l'acte, où à chaque instant, cette pensée, cette parole, cet acte engage le pronostic de ma propre existence, mais aussi celui de l'univers entier, la responsabilité infinie de chaque instant, comme homme vécu, comme héros de l'histoire. Il me semble une façon presque chevaleresque de vivre l'existence, où à chaque instant je me vois en mission, et où les forces des ténèbres et les forces des lumières m'entourent, et à chaque instant il y a le choix, ou de basculer dans l'une, ou de basculer dans l'autre. Et là, je passe donc à un autre texte, qui est aussi dans le Talmud, et qui dit la chose suivante, qui dit « Bayeré, Bayeboké ». Il fut soir, il fut matin. « Yom ha-shishi » de l'épargne du sixième jour. Or, il y a une sorte de, pas de faux orthographe, mais de changement de registre orthographe, quand on lit dans les hébraïsats. Le sixième jour n'est pas nommé comme les autres jours. On a rajouté un « he ». Une lettre. Et ce « e » étant, vous savez que les lettres hébraïques ont une force numérique, ce qu'on appelle la gamatria, le « e » ayant la force de 5, symbolisant la Torah, puisqu'il y a 5 livres de la Torah. Et donc, Menahem nous apprend chaque jour « itna imma sebechut ». Dieu a une condition dans la création. Il a dit « si plus tard, l'homme accepte la Torah, et quand je dis l'homme, je ne fais pas ici que par courtoisie. Le Talmud dit qui s'appelle juif, qui s'appelle Israël, qui a droit à la dignité du nom d'Israël. Et le Talmud dit ce sont tout être humain qui combat l'idolâtrie. Tout être humain qui combat l'idolâtrie a un nom d'Israël. Alors, je ne tombe pas non plus dans un humanisme généralisé, je suis moi, personnellement, enfin, le judaïsme. Personnellement, pour le respect des différentes cultures, des différents peuples, de l'altérité. Mais il y a aussi, comme d'habitude dans cette dialectique judaïque, un côté où un juif doit être juif, un non-juif se doit être non-juif, etc. Mais il y a quelque chose qui transcende ces différences, qui est l'humanité conçue comme une humanité qui est le reflet d'Israël universalisé, qui s'appelle combattre. Et donc Dieu dit, toute la création du cosmos dépend du fait que l'homme accepte plus tard cette dimension du combat d'idolâtrie et cette dimension d'accepter la Torah. Et là, on rentre dans un des débats les plus profonds quand on dit pourquoi l'homme. Vous savez que on pourrait, de façon bien entendue, on n'a pas le temps ici, mais de façon un peu schématique, mais qui ouvre des axes de réflexion. Pratiquement, résumé en une formule ou en plusieurs phrases, la discussion fondamentale qui oppose une pensée d'essence spiritualiste et une pensée d'essence matérialiste. Et je n'entends pas matérialiste par dénué de spiritualité. Mais qu'est-ce que serait cette différence. Et j'ai pu remarquer, déjà les textes n'ont pas le Talmud lui-même, mais les commentateurs du Talmud n'en parlent, il y a deux formes ou deux façons de voir, d'envisager l'existence et le monde. On peut l'envisager d'un point de vue que j'appellerais non matérialiste, où avant tout, dans cette vision des choses,
il y a de la matière. Il y a l'être là. Aujourd'hui, le schéma contemporain de cette vision est, on pourrait le reprendre, il est formulé, véhiculé par un certain discours scientifique. Nous, on l'aurait relayé par le discours scientifique et par les médias eux-mêmes. On aurait à l'origine de l'énergie pure, très compacte, infinie, l'énergie infinie, qui, en se dilatant et en refroidissant, créerait les premiers atomes, qui créerait les premières règles de la gravité universelle, qui après créerait les premières molécules. On en passerait après la création du cosmos, qui passerait du minéral à la terre, minéral, végétal, animal, humain. L'humain, en s'arrachant de la nature, créerait les concepts, la parole, créerait après des sociétés, créerait des symboles, créerait à la fin de l'art et de la spiritualité. On a une sorte de pyramide, une pensée pyramidale, où à l'origine on a, quand je dis matière, vous savez qu'Einstein a déjà prouvé qu'énergie et matière, c'est la même chose, donc on a avant tout une matière, d'abord qui est énergie, qui devient matière et qui après évolue, dans une évolution formidable, où on passerait presque du rien, ou d'origine matérielle absolue, à une sophistication extraordinaire de cette matière, qui est rendue possible par le temps, qui va après créer des formes spirituelles, artistiques, humaines. Et dans ce système-là, on peut avoir des personnes très spirituelles, très artistiques, qui peuvent toucher le feu sacré, bien entendu. Mais la vision est que ce feu sacré, cette spiritualité, cette hauteur de vue, est enfantée par le cheminement de la matière. Et on a une autre vision des choses, qui est la vision de la Torah, et pas que de la Torah, bien entendu, qui est Istakel Boraita Boraita, où il est écrit « Dieu a créé la Torah avant le monde ». Comme s'il y avait une mémoire, un sens aux choses avant tout l'aspect procédural de l'histoire du cosmos et de la matière. Et donc, cette question, quand on dit pourquoi l'homme, elle va être complètement et radicalement différente. Et on ne peut pas esquiver ces deux approches, parce qu'elles sont, à mon sens, elles forment pratiquement l'essence, elles subsument, elles résument, elles incluent des milliers d'autres discussions qu'on peut avoir sur l'avortement, des discussions qu'on peut avoir sur le droit du mariage pour tous, les discussions qu'on peut avoir sur l'égalité, tout ça va être influencé à la racine par ces deux façons de voir. Parce que bien entendu, si tout est matière à l'origine, et que l'esprit, les valeurs, la pensée, la spiritualité, le geste artistique, la lumière divine, le feu, l'esprit n'est que le résultat d'une sophistication de la matière, on peut imaginer effectivement qu'à certains niveaux, que les valeurs, non pas se valent toutes, parce qu'il peut y avoir plus d'élégance, plus de clarté, plus de beauté dans une production X que celle d'Y, mais ontologiquement, tout est pratiquement valable, puisqu'il n'y a pas de valeur absolue à l'origine. Et donc, pourquoi l'homme, dans une vision matérialiste, c'est une non-question. Parce que le pourquoi l'homme, ça serait poser la question avant même que l'homme soit. Or, avant que l'homme soit, il n'y avait pas de pourquoi, puisqu'il n'y avait pas de conscience. Et quand on dit pourquoi l'homme, d'un point de vue spiritualiste, thoraïque ou d'autres, serait donc la question fondamentale à chaque être humain, dans sa différentialité, dans sa singularité, dans son altérité, dans le fait qu'il est absolument singulier. Le Talmud dit que chaque homme, il n'y a pas deux hommes sur la planète qui ont le même visage. Et le Talmud nous dit pourquoi ? Pour t'enseigner que de la même façon que les visages sont différents, les pensées sont différentes et le but de chacun d'entre nous de l'existence est différent. Donc pourquoi l'homme serait ici une question à poser 13 milliards de fois ? Puisque chacun d'entre nous doit se poser, mais qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Et qu'est-ce qu'on attend de moi ? Et pourquoi suis-je venu ? Pour aller où ?
Le Chazonish, qui était un très grand sage, vivant il n'y a pas très longtemps, donnait une sorte de parabole par rapport à ce questionnement. Il disait, imaginez un homme qui se réveille dans un château, il ne sait pas où il est, il voit une table magnifique ornée de fruits fantastiques, une cheminée, des jardins splendides, et qui s'asserrait, qui mangerait, sans se poser de questions. Il s'asserrait, il mangerait, sans se poser de questions. Est-ce que cet homme serait pas fou? On ne peut pas se poser la question, mais qui a créé le château? Un peu comme Kafka. Qui a créé le château? Et si personne n'a créé, qu'est-ce que c'est que ce château? Et qu'est-ce que je dois faire dans ce château? Et donc on est ici, dans ces deux positions-là, et ces deux questions ne vont bien entendu être complètement différentes. Et ça va plus loin, parce que le texte continue, nous dit, une chose incroyable, que quand Dieu a voulu donner la Torah au peuple juif, et en réalité il l'a donné de façon universelle à l'humanité tout entière, à travers, c'est quand même un phénomène extraordinaire, c'est qu'imaginons une seconde humanité sans Bible. Imaginez une seconde, l'humanité tout entière, s'il n'y avait pas eu l'avènement de la révélation biblique. On aurait une humanité radicalement différente. Mais radicalement différente. Sans Bible, c'est non seulement nous les juifs qui ne serons pas là, mais tout le monde chrétien ne serait pas là. Tout le monde islamique ne serait pas là. L'Occident en son entier, pas que l'Occident, je ne vais pas dans les détails, le brahmanisme, à une origine d'Abraham, c'est pour ça que la déesse Sarai, qui est l'une des déesses principales du brahmanisme, est liée à Sarah, la femme d'Abraham, etc., etc. Donc il y a une origine extraordinaire. Or, ce don s'est passé de façon tout à fait singulière, puisqu'il est écrit dans le texte que ils étaient sous la montagne, et le texte a dit fin de croire. Sous la montagne, littéralement sous la montagne. Au point où Dieu a pris la montagne, l'a mis sur la tête du peuple juif et de toute l'humanité qui combat l'idolâtrie, les âmes. Elle leur a dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous mourrez. Là, maintenant. On va t'aimer met la Torah au sham tiouk vorotechen. Ou bien vous acceptez la Torah, ou bien là-bas sera votre tombeau. Pourquoi donner la Torah de cette façon-là? Pourquoi forcer? Pourquoi cette image coercitive, coercitive, pas très sympathique, du don de la Torah? Et la question est d'autant plus forte que les commentateurs disent que le peuple juif avait déjà dit « Nalassé, Benishpa », ils avaient dit « Nous acceptons la Torah, Nalassé, nous ferons et nous comprendrons, nous acceptons déjà la Torah. » Comme si je voulais acheter une voiture, je viens pour l'acheter, quelqu'un prend un pistolet, tu veux m'acheter ta voiture? Je veux l'acheter. Et le Maharal de Prague dit trois réponses qui peuvent nous éclairer de façon extraordinaire sur pourquoi là. Première réponse, il dit parce qu'on ne choisit pas le bien, on est choisi par le bien. Choisir le bien, ça voudrait dire poser une humanité où l'ultime référence serait mon esprit, ma raison. Le fait d'être forcé à faire le bien, comme j'aime bien donner cette image un peu bébête, mais au moins elle mérite de faire comprendre l'idée. Imaginons un enfant qui meurt de faim, qui va me demander à manger, j'ai pas le choix. Et si je crois que j'ai le choix, je suis pas un philosophe, je suis un salopard. L'exigence, l'obligation, l'interpellation, la responsabilité, l'obligation de faire le bien est plus fondamentale que la liberté. De choisir le bien. On ne choisit pas le bien, on est interpellé par le bien. Et si quelqu'un ne fait que ce qu'il décide de croire qu'il est bon de faire, il est en réalité réduit à sa propre conscience, il n'est pas dans la grandeur, il est dans la petitesse de sa conscience. Donc il y a une première dimension, être homme, pourquoi l'homme? C'est dans cette capacité de faire rentrer dans sa vie un champ d'obligation qui excède largement sa faculté de juger. Un homme qui ne vivrait que à partir de décisions bien pesées, où tout serait ordonné par rapport à ce qu'il a décidé, c'est un homme tout à fait respectable. Mais c'est un homme qui
passer à partir à côté de la grandeur de l'être, du pourquoi. Parce qu'il y a une sorte d'injonction à faire des choses qui dépassent complètement ma liberté, qui sont de l'ordre de ma responsabilité. La responsabilité ici est prônée par le judaïsme comme quelque chose de plus fondamental que la liberté, de plus ancien, de plus profond, enraciné dans l'être humain. Je suis avant tout obligé de faire, avant d'être libre de faire. Deuxième chose que nous dit le Maharal de Prague, une chose assez extraordinaire, il dit, non, on ne pouvait pas choisir la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est ce qui permet de choisir. Alors là, on ne comprend pas rien. Ça veut dire quoi? Et il dit une chose extraordinaire. Il dit, qu'est-ce qui fait qu'un homme, à l'époque du Maharal de Prague, il n'y avait pas d'ordinateur, mais moi, j'en aurais contemporain sa question. Qu'est-ce qui fait que, lui, il dit, pourquoi est-ce qui fait qu'un homme pense qu'un animal ne pense pas? On pourrait poursuivre la question de comment se fait-il qu'un homme pense et qu'un ordinateur, alors qu'il a énormément de systèmes cognitifs, ne pensera jamais. Il n'y a pas d'autonomie de la pensée de l'ordinateur. Jamais. On peut investir des milliards de dollars ou d'euros dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui fait que l'homme pense et qu'un ordinateur ou qu'un animal ne peut pas penser? Et le Maharal dit une chose très simple. Une chose, je suis sûr qu'il va, au moins la moitié de la séance, on sera d'accord. Mais je pense qu'on se donnera une occasion du débat et l'échange. Il dit cette formule que moi, à mon sens, je trouve extraordinaire. Il dit, l'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'il est spirituel. Convoquant en ce sens-là une des notions fondamentales de la Kabbalah, sans rentrer dans les détails, qui s'appelle Aka'a, le coup, quand l'infini rencontre le fini. C'est-à-dire que l'homme est capable de s'arracher de la matière quand il reçoit en plein visage la lumière divine qui l'arrache de la captation de la matière enfermée sur elle-même. Fait exister, disait Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. Il voulait dire par cela, Jean-Paul Sartre, que pour avoir accédé à l'essence, pour accéder à l'idée, pour accéder au concept, il faut exister, il faut sortir du stans, extense, il faut sortir de la matière, il faut s'arracher de la matière. C'est ça, il y a une sorte d'arrachement à la matière qui permet à l'homme d'accéder à l'essence. L'existence précède l'essence. Et ça s'arrête là. Et moi, je me pose la question. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme existe? Qu'est-ce qui fait que l'homme a cette capacité de s'arracher à la matière, que toutes les autres formes de la créature ne l'ont pas? Qu'est-ce qui fait que l'homme peut arriver à la réflexion dont le mot français, d'ailleurs, de façon remarquable, rencontre, réflexion, reflet, cette dualité qui me permet de m'arracher du déterminisme fermé sur lui-même de la matière pour arriver à une conscience, à la clairvoyance de la pensée? Qu'est-ce qui fait que l'homme s'arrache de la matière? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en hébreu la hakara. C'est-à-dire la claque. Moi, j'appelais, littéralement, c'est le coup, mais un coup. Mais je traduirai par la claque. La claque que l'humain reçoit en plein visage. La claque de la lumière divine que l'humain reçoit en plein visage qui l'arrache de la fermeture de la matière, qui l'arrache de la somnolence d'une matière qui ne peut pas penser et qui le rend duel, qui le rend une possibilité de reflet, de réfléchir. Et donc l'homme ne pense parce que fondamentalement il est concerné, parce qu'il est concerné par quelque chose qui excède son pourquoi l'homme. Parce qu'il est visité par un ailleurs qui l'arrache de la somnolence de l'identité à soi-même qu'il ne peut pas penser. L'homme arrive à la pensée parce qu'il est spirituel. Au point, une fois, j'étais dans un colloque en Israël, où un professeur, vous savez qu'en Israël aussi, nous avons nos débats, laïcité, pas laïcité, et un professeur me dit, vous savez, monsieur le rabbin, moi je ne suis pas croyant. Nous étions libres, bien sûr. Et je lui dis, en hébreu aussi, je lui dis, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit, pas, je dis, écoutez, c'est de la capacité de réfléchir, de choisir. Et je lui fais, vous ne pouvez pas vous faire un. Et donc, c'est ça le sens de ce texte. On ne peut pas choisir
Puisque ce qui me permet de choisir, c'est cette chose-là qu'on me donne, cette spiritualité qu'on nous offre, qui est à l'origine même de la possibilité de choisir. Alors là, bien sûr, on est dans une problématique déjà pas forcément acceptable. Est-ce qu'on vit son existence qu'à partir de soi-même? Ou est-ce qu'on a une existence qui est orientée vers quelque chose qui s'appelle le guilou, la révélation, d'autres choses qui viennent m'interpeller? Est-ce que je me conçois qu'à partir, comme dans un état de fait, je suis ce que je suis, c'est tout, après je l'accepte? Ou est-ce qu'on accepte, ou est-ce qu'on envisage de penser une seconde, que peut-être au plus profond de mon identité humaine, se joue la révélation de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maîtrise, pas de l'ordre de l'affirmation du moi et de l'ego, mais d'une visitation. Peut-être qu'une autre définition de pourquoi l'homme serait l'homme, est-ce quelqu'un qui est capable d'avoir la conscience qu'il est visité. Pareil. Et le texte continue et nous dit une dernière chose. Il dit que Daraj Bakarpa, Gdolim Asi Tzadikim Yotem Asi Shami Baraz, est plus grand l'acte de l'homme que l'acte de la création divine. Je ne vous citerai pas les psukim parce qu'ils sont très longs, mais les versets. Le Talmud émet une thèse, une vérité, qu'il y aurait dans la création humaine quelque chose qui dépasserait la création divine. Vous savez qu'il y avait cette fameuse discussion entre le fameux Rabbi Akiva, peut-être le plus grand maître talmudique de tous les temps, et un philosophe romain, à propos de la circoncision, ce n'était pas dit dans le texte, mais c'était ça l'enjeu, où le philosophe romain dit à Rabbi Akiva, pourquoi est-ce que Dieu vous a créé comme il nous a créé, est-ce que vous changez le corps humain? Et Rabbi Akiva lui dit, apporte-moi du blé et apporte-moi du gâteau. Et lui dit, qu'est-ce qui est meilleur, le blé ou le gâteau? Tu peux manger le blé, non? Quand tu vois bien qu'il faut transformer la nature. Il faut être une sorte de partenaire de la divinité dans la construction non seulement du monde, mais aussi de l'identité humaine. Et le Talmud va jusqu'à dire, plus grand est l'œuvre du juste que de l'œuvre divine. Encore une fois, cette idée de dépassement incroyable. Et le texte continue en disant que, au moment où Dieu a voulu révéler une sorte de vérité à l'humanité, les anges ont dit, mais pourquoi méprises-tu ton sceptre? Comment veux-tu donner cette vérité extraordinaire au fils de la femme, à l'homme? Et la vérité n'a pas voulu aller sur la tête. Mais qu'est-ce que je voulais faire avec ces gens-là qui regardent Internet, football, je n'ai rien à voir avec eux. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire ça là? Je n'ai rien à faire là-bas. Et Dieu dit, la vérité descend sur terre. Et la vérité n'écoute pas. Alors il prend la vérité. Et il la jette sur la terre, une sorte de fracas incroyable. Et la vérité est explosée, carrément. Et on dit, il dit que la vérité, Vehemet Titzmar, Meretz Titzmar, que la vérité croisse, l'idée de croissance végétale de la terre. Emet Meretz Titzmar. Que la vérité croisse de la terre. Et les commentateurs de dire la chose suivante, de dire, d'abord, ce verset ici, je ne sais pas s'il y a des hébraïsans à ça, mais bon, dans le train j'ai écrit ça, « Emet, Meretz Titzmar », quand vous prenez ce verset, il y a une chose extraordinaire en hébreu. Là je vous l'ai lu de façon de gauche à droite, « Emet, vérité, Meretz de la terre, Titzmar, que ça croisse ».
Eh bien, on peut dire le verset comme au carré. Vous voyez, le Aleph, Mem, Tav, le chemin de l'Aleph, Mem, Tav, Emet, Mi, Eretz, Tismar. On peut lire dans tous les sens. Comme si on voulait nous dire, qu'une vérité, et c'est peut-être ça la réponse ultime de pourquoi l'homme. Pourquoi l'homme? Parce qu'une vérité qui serait au ciel est une vérité extraordinaire, mais qui n'est capable que de ne dire que la vérité. Au point où le Midrash raconte que quand Moïse a reçu la Torah, les anges ont dit « Mais qu'est-ce que tu donnes à la Torah ?» Et Dieu a dit à Moïse « Réponds-leur. » Et Moïse a dit « Je ne peux pas leur répondre. Ils vont me tuer avec leur haleine. Ils vont me brûler. » Et Dieu dit « Prends, attrape-toi au trône de gloire et réponds-leur. » Moïse ne voulait pas parler aux anges parce qu'il savait que les anges ne supportent tellement pas le mensonge que même Moïse, qui n'a, garanti, n'a jamais menti de sa vie, mais le fait même qu'il puisse mentir était déjà insupportable aux anges. Il l'aurait brûlé. Et Dieu lui dit, ah, tiens le trône de la gloire divine. Quoi ce texte? Il veut dire par là. Il y a dans l'homme quelque chose qui amène de la gloire. Le pourquoi l'homme amène de la gloire. On appelle du cavot de la gloire. En quoi est-ce que ça amène de la gloire? Bon, par le fait que une vérité qui resterait au ciel serait une vérité qui ne pourrait dire que la vérité. L'idée de croissement, que la vérité croisse de la terre, c'est l'idée qu'un bon paysan qui prendrait des graines de blé et qui les jetterait à terre, bien entendu, tout bon paysan vous dira que s'il sème du blé, ce n'est pas pour récolter la même quantité de blé, sinon il mourrait de faim très vite. C'est pour multiplier la récolte. Une vérité qui serait jetée sur terre. Alors c'est vrai que le grain qui était beau va être sous la terre, il va pourrir sous la terre, il va être piétiné, il va être affreux. Et après il va germer, il va donner beaucoup plus de blé. Et donc la vérité d'une vérité qui serait jetée sur la terre, ça serait l'épreuve d'une vérité qui va traverser l'histoire des hommes. Une vérité qui va être éprouvée à l'épreuve du mensonge. Et une vérité qui va traverser le mensonge, l'histoire, est une vérité qui va produire une vérité infiniment plus grande que la vérité qui serait restée au ciel. Parce qu'elle va non seulement dire la vérité, mais elle va dire la vérité du mensonge. N'est vérité que celui qui est capable de démasquer, en termes de vérité, la vérité du mensonge. Et ça multiplie le pouvoir de la vérité. Et cette capacité d'intégrer la lumière dans les ténèbres, cette capacité, c'est ça la gloire. La gloire, c'est de la capacité de montrer que cette parole de vérité, elle n'a peur de rien. Elle peut s'immiscer dans les champs symboliques qui sont le plus anti-vérité. Et quand même faire irradier cette vérité, parce que tout vient de la vérité. Et donc, ça serait ça, la réponse peut-être ultime de pourquoi l'homme. Pourquoi l'homme? Parce qu'il serait capable de faire ce que les anges ne sont pas capables de faire. C'est de multiplier la vérité par le fait même que cette vérité est exposée dans un milieu qui lui est absolument hostile, qui est notre monde, notre histoire. Comment l'histoire crée des champs symboliques qui sont en même temps le masque de la vérité et en même temps sa révélation peut-être la plus profonde. Et quand le monde a été créé, vous savez, il a été créé, d'après la tradition antique, par la lettre Ré. En hébreu, la lettre Ré se compose d'un Dalet et d'un Yud. Le Dalet étant le 4, renvoyé aux 4 points cardinaux, le Yud étant toujours dans la tradition judaïque, le point. La lettre de l'infini. Et le Hé et le Yud ne se touchent pas dans la lettre. Et c'est tout ce dont on vient de parler. Le monde, le pourquoi l'homme,
fait qu'à chacun d'entre nous, chaque homme, est exposé dans son existence à deux logiques. La logique du Dalet, du 4, des 4 points cardinaux. Une logique qui vient du bas, qui affirme massivement son autorité. La logique économique, logique politique, logique historique. On peut expliquer pratiquement tout à partir d'un discours historique, politique, économique. D'accord. Mais c'est une explication qui ne donnera pas la route à long terme. Elle tournera. Et il y a le Yud qui dit le sens ultime des choses, mais là aussi. On peut très vite tomber dans une sorte de douce rêverie. D'où l'obligation du Hé, de cette dialectique, de cet infini qui frappe le fini, de ce rapport intime, de ce fameux concept oral qui s'appelle le double, de vivre en même temps un instant dans les limites absolues de l'instant, en respectant le côté charnel du moment, et en même temps dans cette charnalité même, dans cette temporalité même, dans cet instant poétique qui est unique, qui va disparaître, qui est l'éphémérité même, être capable d'écouter l'écho de l'éternité, l'écho de l'infini, les deux en même temps, en même instant. Et ça, il n'y a que l'homme qui peut le faire. Il n'y a que l'homme. L'ange est dans le Yud. L'ange est dans la vérité absolue qui n'a pas d'instant. Le temps étant lui-même une création. L'animal est dans le Dalet. Il n'est que dans l'instinct qui organise son existence. L'homme a cette capacité d'être en même temps dans cet entre-deux qui devient, pour les plus grands, une seule et même chose, où l'instant devient l'éternité et où toute l'éternité est résumée dans un instant. Et quand l'homme est capable de vivre ces temps-là, il atteint l'humanité absolue. Il atteint le pourquoi l'homme a été créé. Voilà, je pense qu'on va passer aux questions. Mes sœurs et mes frères, nous allons procéder effectivement à quelques échanges. Mais pour que ceci se fasse avec clarté, nous allons respecter une règle simple qui est la suivante. Ceux qui souhaitent prendre la parole lèvent la main à l'intention des surveillants qui sont placés respectivement à l'Occident et au Midi. Ce sont ces deux frères surveillants qui frappent du maillet en indiquant qu'un frère de leur colonne ou une sœur de leur colonne souhaite prendre la parole, et je leur donne la parole. Pour que ces échanges se fassent de manière claire, je vous demanderai de faire court, autant que faire se peut, pour laisser à notre conférencier le soin et la possibilité de répondre. Frère maître des cérémonies, si vous voulez bien vous équiper de cet instrument et le mettre en marche. Puis-je commencer par une question, ou plutôt vous avez abordé, je dois dire, une foule de questions, d'interrogations et de références qui, je pense, évoquent pour nombre d'entre vous, entrent en écho, je dirais, résonnent de manière... Et sans vouloir précisément monopoliser le débat, moi-même, car je souhaite effectivement que la parole circule,
J'ai été frappé la maintes reprises de la façon dont vous avez évoqué lorsque j'oserais appeler une dualité heureuse. Alors que très souvent, nous voyons cette dualité comme un piège, nous la voyons comme une prison, nous la voyons comme un tiraillement, nous la voyons comme une torture, comme une impossibilité de s'affranchir. Et à maintes reprises, me semble-t-il, vous avez au contraire indiqué comme cette dualité recèle de potentialité, d'où j'aurais osé l'appeler une dualité heureuse. Mais votre formule est très heureuse. Effectivement, c'est aussi un des traits spécifiques du judaïsme par rapport notamment au bouddhisme ou à d'autres formes de sagesse. Il y a un autre texte que j'aurais pu aussi convoquer, vous apporter. Si vous lisez la Bible en hébreu, chaque fois qu'il est question de la création d'une créature, Vayetzer, qui veut dire il a créé, est articulé, est orthographié avec un seul yud. Vayetzer, c'est la façon dont on écrit même en hébreu moderne. Quand il a écrit Vayetzer et Adam, il a créé l'homme, tout d'un coup il y a une faute d'orthographe. En rigolant dans la Bible, où il y a deux yud. L'homme est le seul qui se voit affublé de deux yud. Et bien sûr, vous imaginez que le Talmud tout de suite pose la question, c'est quoi ces deux yud? Et il y a quatre réponses. Une première réponse qui dit l'homme, ces deux yud, c'est la dualité du bien et du mal, classique. Nagma refuse cette réponse, le Talmud disant, non, parce que une réponse tout à fait étonnante, ça intéressera certains chercheurs qui s'intéressent aux animaux, en disant, mais non, dans les animaux aussi, il y a une question éthique. Du bien et du mal. On voit des animaux qui sont gentils, des animaux qui sont méchants. Il y a des chiens qui mordent et des chiens qui sont sympas. Donc ce n'est pas le propre de l'homme, le bien et le mal. Et le Talmud expose, après avoir rejeté cette explication de la dualité humaine, deux autres explications. Une, on n'a pas le temps de les commenter, mais je vous les donne et vous les méditerez. Une première qui dit que ces deux yuds, c'est l'homme et la femme. Là, c'est tout à fait singulier parce que le féminin et le masculin existent dans toute la nature. Non, le mystère féminin et masculin sera exclusivement humain. Troisième réponse, qui est non, c'est l'homme dans sa double dimension d'éternité et de temporalité dont on a parlé un petit peu à la fin de mon exposé. Et quatrième réponse, qui fait écho à votre interrogation, qui est non, ces deux yud seraient deux oi. Oi, c'est un cri yiddish, je crois, ce que vous avez dit. Oi, oi. Deux oi. Deux cris. C'est quoi ces deux cris? C'est oi du côté de ma créature, oi du côté de ma création. Comme si on voulait dire que l'homme, s'il n'est que avec Dieu, que avec. Eh bien, le corps se rachit d'une phrase qu'un psychanalyste ne renierait pas. Il dit le corps se venge et atteint et pollue la pensée. Si je ne suis que pensée, le corps se venge et envahit. La pensée. Si je ne suis que corps, la mauvaise conscience de l'âme m'accable. Et donc l'homme serait cet écartèlement constant. Et donc il y a une forme effectivement d'éloge de la distorsion. Et pas du tout une recherche de l'unité bouddhiste, de l'unité où on serait dans une sorte de retrait absolu, de synthèse absolue, de quiétude absolue, du retour à la lucidité calme. Non. Effectivement, une dualité heureuse qui est constitutive non seulement de l'infini humain, mais aussi du dynamisme humain. C'est effectivement une des thématiques fondamentales de l'esprit judaïque, qui renvoie aussi au cliché qu'on a très souvent des juifs, l'angoisse. C'est vrai que l'angoisse est devenu un thème récurrent dans la littérature du 19e et du 20e siècle, mais. C'est quelque chose que le peuple. Parce qu'effectivement, il y a une conscience d'une inadéquation entre le monde et l'absolu. Et le monde et l'absolu ne peut se vivre qu'au prix de la prise en charge de ces deux dimensions qui sont paradoxales. Et cette distorsion, cette dualité, elle fait partie de l'essence même du dynamisme, de la vraie existence et de la vraie vérité. Donc vous avez touché un point très important, effectivement. Et j'ai bien aimé votre formulation de dualité heureuse.
peut-être pas heureuse, mais en tout cas heureuse au sens où c'est heureux que ça soit. Quelqu'un l'a dit, parce que là, venant, j'ai oublié la mémoire des femmes. Sans le calvaire de l'histoire, Dieu ne serait qu'une solitude sans gloire. N'est-ce pas là le justificatif de l'homme comme pour prouver l'existence d'un Dieu potentiel? Vous avez aussi évoqué le cheminement de la matière, ce qui pourrait nous amener au hasard et à la nécessité. Quant au bien, que vous avez aussi bien évoqué, n'est-il pas le cheminement de cette hominisation qu'évoquait l'art de Chardin vers ce point oméga de l'unité du vivant et de l'amour universel entre les hommes? Alors, pour moi, il y a ici une sorte effectivement de... Ce que vous dites est écrit dans le Talmud. C'est une Talmud qu'une des raisons dont on ne pourrait pas parler tous les points, parce que sinon ça aurait été grave, on va parler par les humains, pour 4 heures. Qu'effectivement, l'une des raisons du pourquoi l'homme, c'est de pouvoir attester de la divinité. Mais ceci dit, il faut se méfier aussi de cette phrase, parce qu'on tombe aussi dans l'anthropomorphisme, où on projette une psychologie humaine vers Dieu. La notion de solitude est une notion humaine. Dieu ne souffre pas de solitude. Et là, le judaïsme a toujours souci de tout le temps, repousser vers l'infini. Une phrase remarquable des sages talmudiques qui dit « Plus on s'approche de Dieu, plus on s'en éloigne. Plus on s'approche de la conscience de la divinité, plus le fossé s'agrandit et plus quelqu'un est loin, plus il convoque un Dieu Père Noël, idolâtre, comme le sens de l'idolâtrie, comme disait Spinoza, mettre Dieu dans sa poche, mais Spinoza n'était pas du tout orthodoxe juif, hein, mais il avait reçu ça de sa jeunesse talmudique, où effectivement, et là il y a, plus on comprend le fossé infini qui sépare l'homme de Dieu, et plus il s'opère quelque chose de mystérieux, qui est une intimité avec Dieu. Et moins on comprend ces différences, et plus on projette des comportements humains sur l'identité divine, plus en vérité on est étranger à l'intérieur de son cœur, de la divinité. C'est aussi un des messages fondateurs du judaïsme. Iconoclaste, ce que certains ont appelé la théologie négative, j'aime pas du tout ce mot, parce que ça ne s'agit pas d'une théologie négative, il s'agit d'une capacité, parce que vous savez que dans le judaïsme, c'est quand même extraordinaire, il y a une interdiction formelle et absolue de la représentation du divin, même symboliquement. Et d'un autre côté, il y a des lois. Aussi, on demande à un juif, agenouille-toi devant une idole ou je te tue. Vous devez dire, tuez-moi. Agenouille-toi devant l'idole ou je tue ta femme. Eh bien, tu es là. Agenouille-toi devant l'idole ou je tue tous tes enfants, l'un après l'autre, devant toi. La loi dit, et à n'importe quel, pas à n'importe quel juif, pas à n'importe quel grand-initié, couper la tête à toute la famille, on ne se prosternera pas devant l'idole. On ne reniera pas Dieu. Et ce Dieu qui est un être qu'on n'a pas le droit de connaître, et donc c'est un fossé incroyable, on vit d'un côté, vous devez être prêt à mourir, vous et toute votre famille, pour quelqu'un que vous n'avez pas le droit de connaître. C'est extraordinaire. C'est qu'il y a une autre forme de connaissance, qui ne passe pas par la représentation, qui ne passe pas par justement une religion anthropomorphique, où on projette dans la divinité l'image de l'humanité et inversement. Il s'agit ici d'un des liens les plus secrets, où plus j'abolis le rapport de connaissance objective, et plus je suis capable de laisser rentrer dans ma conscience une autre forme de connaissance qui aboutit à une intimité tellement forte qu'elle est plus forte que toute connaissance qui passe par ta représentation cognitive habituelle. Donc c'est pour ça que je vous reprends un peu le talmudique, effectivement, cette idée, mais il la problématise, qu'une des raisons pourquoi Dieu a créé l'homme, je vous reprends la parole du talmudique, parce qu'il n'y a pas de roi sans sujet, c'est un peu ce que vous avez dit, en citant ce célèbre auteur inconnu.
C'est vrai, mais ça c'est par rapport à l'homme, pas par rapport à Dieu. Dieu n'ayant aucun besoin, puisque dès qu'on rentre dans le besoin, on est dans le manque, et dans la perfection divine, on va pas avoir la théologie, il ne peut pas y avoir de besoin. Ceci dit, sur la fin de votre question, il est évident, et ça c'est un projet universel, que d'arriver à l'oméga de l'union du vivant et de l'amour universel et de la vérité universelle, c'est le but même, effectivement, de la création et du cosmos et de l'homme. Bien entendu. Ceci dit, comment est-ce qu'elle peut arriver? On sait très bien que l'idée du progrès a été anéantie par la Première Guerre mondiale, confirmée, cet anéantissement a été confirmé de façon définitive, décisive, par l'horreur de la Shoah et par la Seconde Guerre mondiale aussi, qui a fait 50 millions de morts. Donc on a très bien compris que le progrès historique qui amènerait l'homme n'existe pas. Et donc, on arrivera peut-être à ce projet louable, bien entendu, que par la prise en charge individuelle de chacun, qui peut-être, au bout d'un travail de chacun, amènera à des corpus civilisationnels qui permettront cette union extraordinaire que vous aspirez de vos voeux et qui est l'aspiration de chaque humain en réalité. Mais là, on a un autre débat qui est le rapport entre le spirituel, le politique et l'histoire, qui peut faire l'objet de lui-même d'une intervention en soi-même. Merci, mon frère premier surveillant. Donnez-lui la parole. J'ai la parole, mon frère. Merci. Certains disent, lorsqu'ils ont écouté un sujet, une conférence qui leur a plu, j'ai reçu mon salaire. Ben, moi, ce soir, je vais plutôt dire, j'ai reçu ma nourriture. Pourquoi nourriture? Parce que la nourriture, c'était la manne. Et la manne, pour, si j'ai bien compris, mais bon, je vais très humblement, j'ai un peu des mots, mais très peu, c'était pour moi le questionnement, le quoi. Et ce quoi, bon, on en a parlé beaucoup ce soir, de se questionner. Et cette manne, elle ne durait qu'un jour, puisqu'on ne pouvait pas la conserver. Donc je pense aussi que ce questionnement, il faut le renouveler chaque jour. Et ce questionnement, c'est aussi le sens qu'on doit donner à sa vie. Par rapport à ça, vous avez parlé donc du vide, hein, donc peut-être que l'homme vient du rien, et moi je me souviens que, bon, peut-être que déjà Adam c'est Alève d'âme, le sang de Dieu, mais je, moi, c'est, si je prononce bien, Annie, et Annie c'est l'anagramme de Aïn, le rien. Donc peut-être que le je, le moi, doit retourner au rien, sauf si le je, ça prononce Anoki, dans lequel j'aurais rajouté un kaf. Le kaf étant cette main ouverte, cette main tendue, cette main de l'accueil que je donne peut-être à l'autre, et peut-être cette main qui est l'amour. Donc peut-être que l'homme ne peut rester sur terre que s'il aime. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'entends beaucoup de formes de vérité ce soir. Je vois que ça se continue, c'est très bien. Oui, bien entendu, tout ce que vous avez dit est vrai, sauf le sang de Dieu qui nous parle de tout. Perspective envisageable pour le judaïsme, effectivement, Annie, une notion d'un moi, et on en a parlé ce soir, d'un moi qui tend vers le rien, non pas le rien, mais vers, encore une fois, l'animation d'une façon naturelle de vivre son ego et de vivre son. Le premier instance, il y a toujours une première instance et une dernière instance, une plus profonde façon d'être. Effectivement, plus quelqu'un se dessaisit de la façon naturelle d'exister, plus il envisage l'élection, ça veut dire de vivre une vie qui dépasse l'évidence, plus quelqu'un est capable, le cas dont vous avez parlé, d'adorer cette main qui donne, effectivement, plus quelqu'un s'envisage comme altruiste, comme don, comme où le centre de gravité de son existence n'est plus la crispation identitaire, la crispation de sa propre intérêt, et de façon extraordinaire, plus il se retrouve lui-même. C'est là où le ami et le haine, un néant, moi, apparition, sont des temps de dialectique extraordinaire, puisque plus quelqu'un affirme sa violence à vouloir être reconnu, à être, plus il est instrumentalisé par le regard de l'autre et plus il disparaît en réalité comme un objet. Et plus quelqu'un est capable de lâcher les vannes, sans tomber dans la morale là-dessous, parce qu'on peut très bien aussi, bien entendu, se racheter son petit paradis en disant, bien entendu, on ne parle pas de ça. On parle d'une identité humaine.
du sens le plus profond de moi-même. Vivre une vie où justement le moi évident, premier, égotique, violent, colérique, affirmant sa puissance, est compris comme une carapace, comme une école, ou quelque chose d'autre surgit, qui est effectivement, et là on arrive aussi à la question précédente, où l'homme étant créé à l'image de Dieu, il y a donc une sorte d'universalité, de fraternité spirituelle entre chaque humain. Et ma rencontre avec un autre éveille en moi une voyelle intérieure qui s'est tue avant la rencontre de l'autre. Cette dialectique du rapport à l'autre, dans le Talmud, on dit par exemple que chaque rencontre, si elle ne te modifie pas, c'est que tu as fermé en toi une des portes de tes rêves. Chaque rencontre, chaque visage est l'occasion d'un éveil, d'une altérité qui ne donne pas une altérité touristique, c'est une horreur contemporaine. Il ne s'agit pas d'une curiosité malsaine. Il s'agit de la capacité d'envisager chaque différence, chaque singularité dans chaque être humain, comme une correspondance à une partie de moi qui reste fermée sur la rencontre de cet humain. C'est ça ce jeu dont on parlait du ami, du haine et du rap. Mon frère, à la Noël. Je vous donne la parole. Oui, monsieur le rabbin. Je vais quand même me réjouir à plusieurs titres. D'abord parce que je pense que les sœurs et frères et les maçons ont pu percevoir qu'il y avait d'étranges similitudes entre la méthode talmudique de réfléchir et la méthode maçonnique qui est la nôtre. Je me réjouis également parce que vous avez posé un problème fondamental qui nous occupe dans les loges, à savoir est-ce que c'est l'esprit qui descend dans la matière ou est-ce que c'est la matière qui descend dans l'esprit. Et je ne suis pas certain que la réponse soit aussi évidente que cela. Il me semble qu'il y a plusieurs possibilités, c'est le sens de la question, dans la question même de l'intitulé « Pourquoi l'homme ?» Vous avez très justement fait comme si le verbe existait. Pourquoi faire l'homme ? Mais on peut, en changeant les mots, c'est le jeu intellectuel, poser la question de manière différente, l'homme, pourquoi faire? Et il me semble que dans le Matan Torah, il y a la double réponse possible, puisque dans la Genèse, c'est l'Éternel qui dit « faisons l'homme », mais lors de la révélation au pied du Sinaï, à l'interrogation de l'Éternel, les Hébreux répondent « nous ferons ». Et là, c'est bien l'homme qui fait. Et j'avoue que il faut aller jusqu'au bout de la réponse, sinon je serais intellectuellement malhabile. Les Hébreux répondent nous ferons, mais ils modulent le verbe nous ferons par nous entendons. Il me semble qu'il y a donc la double possibilité ou que l'esprit descend dans la matière, ou que c'est à l'homme de faire en sorte que la divinité surgisse de par son action dans le monde. Je crois là que effectivement. Encore une fois, cette dialectique, ce double mouvement est absolument nécessaire dans l'économie générale de la vérité. Et c'est justement la structure même du judaïsme qui est composée de la Torah écrite et de la Torah orale, que la Torah écrite étant la parole absolue, immuable, le faisant l'homme, du Dieu vers l'homme. Mais cette notion, cette dimension de dogmatisme a été résolue par le judaïsme par le fait qu'on a ce qu'on appelle la Torah orale, qui est une récupération, qui est le secret de l'écoute de chaque individu ayant une âme différente, a le secret d'une écoute différente, qui va être une réponse à la parole de Dieu, qui va être elle-même une révélation peut-être plus haute que la première révélation. Puisque vous connaissez peut-être le texte. Mais il y a des textes où effectivement la Torah orale a dépassé la compréhension même de Moïse. Et on a les deux dimensions. Et hier, j'avais
avait un débat avec un journaliste à Paris sur la notion de parole médiatique, parole talmudique, et on a évoqué ce sujet. Et je disais justement ce qui est très problématique dans la parole contemporaine, c'est que c'est une parole qui s'auto-nourrit, qui n'a pas cette dualité. Une parole de l'éphémérité où une chose n'existe que parce qu'elle est dite. Et le partage de la parole est incroyable. Tout le monde est un auteur sur Internet. Bon, on pourrait parler pendant des heures sur le phénomène de la textualité contemporaine. Mais cette dualité structurante de la vérité, qui passe que par, d'un côté, on a une parole qui va de haut en bas, ces trois rapports fondamentaux, rapport à Dieu, rapport à l'autre, rapport à soi, qui passent un rapport où il y a révélation, ça va être mais immuabilité, ça veut dire la notion qu'une vérité reste, qu'elle n'est pas modelable par rapport à l'histoire, qu'il y a des valeurs ou des vérités ou des éclats de vérité qui sont contemporaines, comme disait en paraphrasant un grand philosophe que je n'aurais pas. La Torah, au sens universel de la Torah, n'est pas dépassée parce qu'elle n'a pas encore été atteinte. Il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti, qui n'est pas encore compris. Quelque chose qui est éternellement d'actualité au sens où l'événement de vérité qui constitue cette révélation excède largement son lieu, sa mise en scène historique, son conditionnement temporel. Mais d'un autre côté, pour que cette révélation ne soit pas dogmatisme et annulation de la liberté humaine, il est absolument impératif de dire « Naase benishma ». C'est-à-dire, nous ferons nous-mêmes, à partir de ce que nous avons reçu, une réponse spirituelle qui est elle-même le lieu de la révélation. Parce que la révélation pourrait être formulée pour paraphraser une phrase de Lévinas. La vérité serait la somme de toutes les âmes qui écouteraient et qui réagirait à la lumière divine, à la révélation. Comme si chaque neshama, chaque âme, aurait une couleur spécifique. Et cette lumière divine qui serait envoyée à des millions d'âmes réfléchirait une sorte d'altérité, de multiplicité qui serait une et qui serait multiple en même temps. Vous savez, dans l'hébraïque, dans la Bible hébraïque, il y a des phrases entières où on mélange le singulier et le pluriel. Comme si on voulait dire qu'il existait une capacité d'unité qui ne nie pas la diversité, une diversité qui n'annule pas l'unité religieuse. Les deux en même temps. Et donc cette réponse au mouvement d'aller-retour de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu serait la véritable rite, la véritable alliance qui permettrait à l'homme de communiquer avec la divinité par le fait même qu'il récupère à partir du secret de son écoute et qu'il reconduit une parole ce qu'on appelle le ridouche, une sorte de parole nouvelle, de nouveauté, qui renvoie en écho à la vérité première qui était dans la Torah écrite, mais qui était en réalité comprise de façon un peu superficielle en premier abord. C'est donc le travail de l'homme, dans sa réflexion et dans sa recherche effrénée de la vérité, qui va donner la capacité au texte écrit de donner toute sa splendeur. Comme le proverbe dit, du vieux vin dans du raisin neuf. Une sorte de l'esprit juvénile, plein d'énergie, de vie, de recherche, mais qui donne au vieux vin la possibilité de ressurgir au bout du vieux vin. Vous avez parlé de la manne, vous savez qu'en hébreu, et en français aussi, la notion de sensuel et le sens, tam, qui veut dire le goût, et tama, qui veut dire la raison, sont le même, ont le même origine linguistique et étymologique. Parce que justement, il faut retrouver le goût de l'idée dans les nourritures terrestres. Ils vont retrouver la charnelité de la vie dans les idées. Et ça, ce mouvement d'aller-retour est fondamental à la structure même de la vérité judaïque, qui est composée par ces deux tenants qui sont indivisibles, qui sont attachés de façon absolue, qu'on appelle Torah Shebirta, Torah Shebalpé, la Torah écrite et la Torah orale. Donnez-lui la parole, mon frère, premier surveillant. La parole, mon frère. Bonsoir. Au début de votre conférence, vous avez fait partie de la question « Pourquoi l'homme ?» en indiquant que quand on voyait le beau, le juste et le bien, on répondait positivement qu'il fallait créer l'homme. Quand on voyait le mal surabondant, je vais répondre négativement. Vous avez indiqué ensuite que
l'homme ne choisit pas le bien, il est convoqué par lui, il est obligé. Très proche de ce que dit Lévinas sur le visage qui oblige. Alors la question porte sur le mal. Enfin, le vrai, pas celui qui répond à des raisons utilitaires, un conflit entre les bergers et les cultivateurs, non, le mal radical, celui qui ne se justifie d'aucune raison qui existe en soi, et dans la Shoah est une manifestation historique indépassable. Puisque l'homme a une faille, et donc il est appelé à choisir, est-ce qu'il peut choisir le mal, et est-ce que dans ce cas-là, dans le mouvement de l'histoire, le mal irréductible peut triompher? Non. Le mal irréductible ne peut pas triompher pour la simple raison de sa faiblesse ontologique. Le mal en hébreu se dit ra, resh, aï. Voilà, on est à ce que le mal, la définition ultime du mal, c'est quand on détache le moyen de la fin. Je vous donne l'explication étymologique du mot mal en hébreu. C'est-à-dire que, d'abord, il faut faire très attention avec l'image du mal radical, parce qu'il s'est donné un caractère presque divin, absolu au mal. Et ce n'est pas sûr que le mal a une statue d'être absolu. Ce serait peut-être l'absence du bien. Mais ça serait surtout, puisque c'est comme ça que c'est indiqué dans le texte, la notion de liberté. On ne peut pas créer un homme libre en lui enlevant la possibilité de faire un mal. Ce serait logiquement aberrant. Donc, comme le mal est propre de l'homme, il ne peut pas être absolu. Il est par définition radical. Il n'y a pas de création divine du mal. Il y a un retrait de la lumière divine pour que l'homme puisse être libre, qui lui donne la possibilité, à ses yeux, de donner un statut absolu à ce retrait. Au point où certains commentateurs nous disent que l'essence même de la transgression et du mal, l'épreuve du mal, serait toujours cette volonté de vivre l'illusion d'être face à Dieu libre. Un peu comme Don Giovanni, qui à la fin de la pièce, on lui dit, Don Giovanni, mais fais tchouva, reviens à toi, reviens. Mais non, il préfère mourir brûlé en enfer, plutôt que renoncer à sa liberté de faire le mal. Parce que l'illusion de la liberté, et c'est ça, c'est vraiment des choses assez profondes, bien entendu, l'illusion de la liberté, c'est que elle donne l'illusion de croire que je peux me poser comme une alternative à Dieu. Et là, j'oserais presque une thèse, qui est peut-être un peu provocante. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas résumer un petit peu toute l'histoire, en tout cas une partie de la fin de l'histoire de l'Occident, comme une volonté de se poser comme alternative à Dieu? Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question, une certaine forme de l'homme absolu, de l'homme. Bien sûr, je ne critique pas les droits de l'homme, etc. C'est des choses qui sont très importantes au quotidien, qui sauvent la vie, qui n'ont pas à la légère peur de critiquer. Mais il y a tout des références symboliques, intellectuelles, etc., qui, à un moment donné, remplacent, posent une autre forme d'absolu, et qui éprouvent cette liberté. Alors, des fois, ça peut se faire très gentiment, bien entendu. Don Giovanni est quelqu'un de sympathique. Il ne donne pas l'impression de l'horreur. Mais il y a cette notion-là. Et des fois, cette notion qui donne l'impression du radical absolu du mal radical, c'est quand on pousse la logique jusqu'au bout, où je suis tellement le juge absolu de ce qui est bien et mal, que c'est moi qui vais faire mes propres lois du bien et du mal, de façon hermétique, sans écouter aucune forme de révélation, en voulant dépasser le bien et le mal,
posant comme absolue ma volonté. Et là, on est peut-être dans le mal radical, mais dans le mal radical vécu par l'homme. Dans l'intrigue humaine de vouloir se détacher, de vouloir presque se déifier l'humanité en lui donnant une puissance imaginaire absolue par le fait même qu'il incarne la malignité, le mal. D'où l'immense danger. Et d'ailleurs, on voit que les grands systèmes politiques dans le nazisme qui ont créé des monstruosités dans l'histoire ont toujours été des systèmes qui ont voulu inaugurer un homme nouveau qui serait le lieu même de l'absolu. Et ce n'est pas un hasard si dans l'histoire, tous ces systèmes politiques qui ont voulu créer l'homme nouveau qui serait la référence ultime de l'absolu, a fait des fois des horreurs abominables, alors que peut-être au début, l'intention n'est pas si négative que ça. Et là, on rentre dans un autre problématique aussi très profond. On pose une question, que chaque question que vous posez pourrait être l'occasion d'une conférence en soi. La question du mal, c'est une des grandes questions philosophiques et théologiques de l'humanité. Mais effectivement, elles sont liées à cette liberté humaine et surtout à cette image, cette stature divine de l'homme. C'est ça le paradoxe. C'est parce que l'homme peut se prendre pour Dieu qu'il est capable d'un mal absolu. Parce qu'il peut redéfinir à partir de lui-même l'absolu, qui nie l'humilité de la responsabilité du bien par rapport à l'autre. Mon frère Georges, vous avez la parole. Merci. D'abord, pour remercier M. Ramin de ses propos de votre élévation, et qui se font bien entendu sur un préalable, la croyance en un Dieu. En l'occurrence, Elohim et Yahvé. Or, nous sommes ici dans un espace maçonnique, où se côtoient différemment ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Et pourtant, voyez-vous, ils ont, en majorité d'entre eux, la volonté de donner un sens à leur vie, sinon à la vie en général. Et pour la plupart aussi, ils partagent avec un sophiste que vous connaissez bien, Pythagoras, cette idée que l'homme est la mesure de toute chose et qu'il n'a de sens que par l'homme. Alors la première question, très prosaïque, est-ce qu'on peut croire en l'homme sans avoir nécessairement à croire en un Dieu? Ça c'est ma première question. Et vous savez aussi que nous avons l'habitude à une question de répondre par une autre question. Vous posez la question pourquoi l'homme? J'ai envie de vous poser de la question « Pourquoi Dieu ?» Et nous sommes ici, si vous voulez, à parler de Dieu, justement parce qu'il y a des intelligences et des consciences qui sont là pour en parler, en discuter et reposer les mêmes questions. Alors, je souhaiterais avoir vos réponses, bien entendu sur ces deux questions un peu plus prosaïques que celles que vous avez bien voulu développer, et je ne voudrais pas terminer sur quelque chose de trivial en demandant qui de l'œuf et de la poule les autres. On va voir toute la nuit, là. Tout d'abord, croire en Dieu, pas croire en Dieu, c'est chez nous les juifs, c'est des notions qui n'ont pas tellement pour la croyance, c'est une tradition chrétienne, respectable, mais ce n'est pas du tout. Je parle ici en tant que rabbin, je parle à mes frères humains. Il n'y a pas chez les Grecs, il y a même une blague juive, sans doute quelqu'un qui la connaisse. Vous avez Rouven et Shimon qui disent que Dieu existe, il n'existe pas, il existe pendant 2 heures, 3 heures, Dieu existe. À la fin, il dit bon, il n'existe pas, il y a trop de choses à trouver. Il dit bon, mais c'est pas tout, il faut mettre les tefillin, il commence à mettre les tefillin et faire la prière. Il y a une sorte de praxis, d'évidence de la divinité dans l'histoire du peuple juif, qui ne passe pas par la croyance. La croyance est un concept tout à fait douteux d'ailleurs. Je peux croire qu'il y a un dragon et vous avez le droit de croire. Chacun peut croire à Dieu. C'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que d'un point de vue rigoureux, spirituellement, politiquement, existentiellement, intellectuellement, on peut envisager l'homme, l'être, la matière sans Dieu? Alors moi, je vous dis que non. Mais je ne peux pas maintenant vous le prouver parce que ça prendra encore une heure et je parle. Respect pour cette noble assistance.
qui ont déjà subi une heure et demie de délire, donc je ne vais pas continuer. Mais il ne s'agit pas du tout de croyance, mais pas du tout. Il s'agit de poser, on l'a fait un petit peu ce soir, à partir d'une réflexion. Vous savez que même d'un point de vue scientifique, au XVIIIe siècle, nous étions, nous, les religieux, très embêtés. Parce que le monde, le schéma scientifique était la matière immobile, qui ne bouge pas, éternelle, un univers constant dans le passé, dans le futur, éternel, etc. etc. Aujourd'hui, je me suis même permis méchamment de faire des blagues à de grands scientifiques dans les colloques en disant « Aujourd'hui, messieurs, c'est vous qui êtes condamnés à la croyance. » Parce que maintenant, vous savez que le Big Bang n'est pas fait scientifique, pratiquement, vous ne pouvez pas complètement aller. Donc c'est le scénario le plus probable, scientifiquement parlant. Et quand on voit un Big Bang, un début, il y a forcément quelque chose avant qui le crée. Alors aujourd'hui, les scientifiques sont obligés, qui ne veulent pas reconnaître Dieu, ils ont demandé, hein. Ils sont obligés d'émettre des hypothèses. Alors une des hypothèses, c'est ce qu'on appelle le multivers. C'est comme une bulle de champagne. Notre univers serait une bulle de champagne parmi d'autres bulles de champagne. On aurait été enfanté par un univers avant notre univers qui n'aurait ni temps, ni espace, ni matière. D'abord, cette théorie est une théorie complètement religieuse, puisqu'elle n'est pas prouvable scientifiquement. Et deuxièmement, quand vous dites que ça a été créé par un univers sans espace, sans temps et sans matière, moi, quand je parle de Dieu, je parle d'un être sans temps, sans espace, sans matière, on n'est pas très loin. Donc un petit peu d'effort, messieurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'option de dire que tout apparaît de rien, c'est une option de croyance. Et je dis très souvent aux gens, on n'est plus dans le schéma de croire par croire, c'est plus du tout le problème. Le problème, il est aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui, d'un point de vue existentiel, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue humain, d'un point de vue de l'apparition de l'intelligence, de l'apparition du monde, qu'est-ce qui est honnêtement la chose la plus probable. Et ça, si on rentre dans les détails scientifiques aujourd'hui, j'ai l'impression que la croyance a basculé de camp. Et donc, bien sûr, mais la croyance n'est pas le problème. Non, c'est le défi intellectuel par rapport à la connaissance que nous avons aujourd'hui et par rapport surtout au-delà même des preuves scientifiques, qui sont toujours aléatoires par définition. Mais de quelle forme d'humanité et qu'est-ce que c'est l'homme? Donc on dit pourquoi Dieu là aussi, pour répondre à l'enchaînement de la deuxième question, pourquoi Dieu, c'est aussi une question qui n'a pas de sens pour le pauvre, pas pour le judaïsme, parce que, encore une fois, c'est une projection humaine vers Dieu. Comme si Dieu était lui-même convoqué à se justifier à partir des schémas de sa création. Alors, on n'est pas vraiment Dieu. Je crois que je vous ai dit il y a 5 minutes que vous ne pouvez pas avoir Dieu si vous mettez 2 heures de discussion. Mais on n'a pas le temps. Mais même celui qui ne croit pas en Dieu ne peut pas non plus imposer à Dieu les données de la création. C'est comme si un peintre qui peut peindre en 2 dimensions un tableau, on dirait, mais comment ça se fait que quelqu'un qui est en 3 dimensions peut exister? Il faut bien comprendre que la création est soumise à des règles, à des lois, dans lesquelles, bien entendu, par définition logique, celui qui crée ce cosmos ne rentre pas dans ces lois, puisqu'il est créateur. Donc on va dire pourquoi Dieu, puisque pourquoi est un concept à l'intérieur même du cosmos, et qui ne peut pas être projeté dans une dimension qui excède les dimensions de la création. C'est une aberration logique. Vous avez posé une 3e question, je crois. Bien. Une dernière intervention. Parce qu'effectivement, le temps s'est coupé. Général Levesse, un frère de ma colonne, je demande la parole. Donnez-lui la parole, mon cher premier surveillant. J'ai la parole, mon frère. Merci. Bonsoir. C'est assez intelligent pour la parole ici. En fait, par rapport à la théorie du banc, la théorie est arrivée, maintenant on est en train de chercher ce qu'on devait bien avoir avant, et quand bien même on continuera à chercher, on finira sur ce qu'est Dieu. Parce que finalement, c'est l'infini, et c'est le préambule à quoi que ce soit. Parce que pour qu'il y ait une création, il faut forcément remonter comme une volonté. Mais, je me disais, avant le banc, quoi que ce soit, il peut y avoir aussi
le rien. Alors, c'est pas du tout une provocation, mais le rien est assez proche de Dieu, dans le sens où c'est la seule chose qui peut se définir par lui-même. C'est-à-dire que jeter à rien quelque chose, il en reste toujours rien. Pour rajouter à rien quelque chose, il reste toujours rien. C'est un peu un équivalent au niveau d'un concept philosophique, quelque chose qui touche aussi à l'infini. Et deuxième question, vous avez dit que le mal peut être absolu, parce qu'il était du fait de la liberté de l'homme. À ce moment-là, en effet, l'homme est quelqu'un de fini, et non pas d'infini, qui n'a pas l'immanence de Dieu, etc. Mais à ce moment-là, comment l'idée du bien et de la vérité, comment il peut y avoir accès si jamais c'est un être fini? Et donc, d'une certaine manière, vu qu'on sait qu'on finit par mourir, nous, on vit dans cette immédiateté-là, on ne peut pas transcender cette immédiateté, sauf avoir croyance en un au-delà. D'emblée, face à la mort, toutes les valeurs, toute la quête de vérité, c'est une certaine manière aussi d'attacher de l'importance à ce qu'il n'y en a pas, on va finir par mourir, pour rendre la vie praticable. Et donc, dans ces cas-là, tout est réduit à une sorte d'arrangement. Voilà. Je n'ai pas fait tout compte, vous avez dit, pour moi, je ne suis pas trop bon, mais le début, moi, je vous comprends. Vous savez qu'il y a une théorie scientifique, c'est Watkins, si vous connaissez, a écrit qu'il n'y avait pas besoin que la loi de la gravité universelle pouvait créer de la matière. Incroyable. Comme si une loi pouvait créer de l'être. Moi, j'appelle ça la croyance. C'est évident qu'une loi ne peut pas créer de la matière. Et c'est vrai que le rien. Et là, quand vous envoyez je ne veux pas rentrer trop dans les détails, parce que... mais en gros, il est évident que dans l'histoire humaine, il y a une tentative de remplacer Dieu par le rien, par le vide. Pourquoi? Par rapport à ce que vous avez indiqué. C'est que le vide, ou le rien, ou le relativisme absolu, a effectivement l'énorme avantage d'être absolu. C'est peut-être la seule chose qui peut concurrencer à la conscience de l'homme, l'absolu divin. Et effectivement, on peut être tenté d'élaborer une pensée qui est d'ailleurs très prégnante dans la contemporanéité, dans la culture contemporaine. Très 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 forte. C'est vrai qu'un des arguments les plus difficiles à contredire, quand on est dans des discussions entre personnes, de bonne volonté, qui essaient de comprendre, ou bien quand on n'est pas d'accord avec certaines choses, un des arguments les plus massifs, les plus décisifs, les plus difficiles à casser, c'est lequel? Vous savez lequel c'est? C'est deux mots. C'est pourquoi pas. Allez-vous battre la guerre? Toi, tu crois ça, lui crois ça, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? On va marier les hommes avec les gens avec des chiens, un jour, on va dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas si ça fait plaisir aux gens de se marier avec des chiens? Et donc c'est vrai que c'est une réalité, c'est une réalité. C'est que face à l'absolu, vivons heureux, éclatons-nous, chacun est comme eux. Ça, c'est l'empire du rien. C'est qu'on arrive effectivement, c'est un absolu très très puissant. Parce que dès que vous affirmez quelque chose, le nihilisme a la puissance de l'absolu. Parce que dès que vous essayez d'affirmer une valeur, elle est par définition critiquable. Vous exposez, vous prêtez le flanc. Avoir le courage de dire une valeur, c'est s'exposer. Rien n'est plus brillant et plus facile. Dans des soirées mondaines, d'être nihiliste et de dire oui, tout se vaut, rien ne vaut, tout est critiqué, tout, c'est très fort. Si quelqu'un sait bien le faire, c'est très fort. Mais c'est nul. Puisqu'on n'affirme rien, on se contente d'exposer le côté absolu du rien, qui est un substitut à la divinité. Voilà, je voulais juste dire ça par rapport à la réflexion.
bien, monsieur le rabbin, les sœurs et les frères, je crois que nous arrivons au terme de cette conférence. De fait, il est une parole que nous utilisons fréquemment et qui signifie que, comme travailleurs, vous savez que nous avons une sorte d'héritage d'artisan, d'héritage ouvrier, et cette formule consiste à dire eh bien, que nous avons reçu notre salaire. Et le Vénérable Maître interroge même les frères surveillants en leur demandant « Est-ce que tous les ouvriers sur leur colonne ont reçu leur salaire ?» Et s'ils peuvent rentrer chez eux contents. Je crois que ce soir, me semble-t-il, nous avons reçu notre salaire et qu'avec ce salaire, nous aurons encore à mener notre vie. Le salaire permet de vivre. Il est là pour ensuite permettre à chacun d'assurer pour lui-même et pour les siens sa survie et pour lui permettre de se prolonger et de revenir au travail. C'est-à-dire que nous sommes vraiment là dans cette logique positive du travail qui mérite le salaire. Je sens que nous avons eu notre salaire. Merci. Merci à vous.